Quelle est la particularité de ce concours ? Alors, particularité, c'est de travailler des produits locaux, surtout, et de mettre en valeur les agriculteurs, les producteurs et nos élèves pour leur montrer les produits qui se font ici et essayer de travailler avec. Voilà. Ça, c'est le but principal, c'est ça. D'accord. Donc là, nous sommes à la finale. Mais comment ça s'est déroulé avant ? Alors avant, il y a eu une présélection, il y a eu 11 candidats. Ils ont dû faire une fiche technique avec une recette créative. Et on a choisi les 3 meilleurs dossiers sur les 11. Voilà, les 3 dossiers complets et les meilleurs. Et quel était donc le menu pour cette finale ? Alors le menu, il y avait une escalope de veau qu'il fallait paner avec une panure noustrale. Avec des produits à base du terroir et à base de ce que nous avaient emmené les producteurs. Ensuite, ils avaient quelques techniques imposées, comme un jus de voile à l'année, pita. Ils avaient un artichaut à faire. Voilà, il y avait 2-3 techniques imposées. Et ensuite, en dessert, ils avaient un fiadone à faire, traditionnel. Et sur quels critères ils étaient jugés, hormis le goût ? Alors, hormis le goût, il y a plusieurs critères. Alors, on a beaucoup en cuisine, il y a le nettoyage, l'hygiène, la gestion du commis, les manipulations, les taillages, la gestion de l'énergie. Voilà, ces différents petits critères notés sur 1 point ou 2 points qui font que ça donne une note finale sur 20. Et en dégustation, pareil. Il y avait un jury dégustation avec une fiche dégustation vraiment axée sur le visuel, le goût, les textures, la chaleur, la saveur, voilà, différents petits critères. Et si tu veux bien le dire, quelle était la particularité que tu as menée au menu proposé par le concours ? La particularité, c'est que j'ai tout joué au feeling. J'ai pas voulu doser les quantités, j'ai voulu faire comme je le sentais. Voilà, j'ai dit là je vais faire ce flambé ci, là autre chose, là déglacer au miel, et ça s'est bien passé. Et donc, maintenant que tu connais ta position, que vas-tu faire après ? Mais peut-être essayer l'année prochaine d'essayer un nouveau concours, mais cette fois-ci national, pour pouvoir encore augmenter le défi. Et qui sait, peut-être continuer sur un BTS après.